apprécier le sable. Je l'ai transféré hier soir. Une dune de sable blanc. La gorgone de Jean-Marc attend d'être divisée. Un petit peu souffert en pointe. Sinon, ça le fait bien de loin. Pas encore de pompe. Le brassage proprement dit. Les algues brunes ont attaqué le décor. Mais ils font leur travail là-haut. Juste en haut. Parce qu'après du gros sable, ça leur plaît moins. On voit les vertes qui commencent à prendre le dessus. Après coup, il manque encore plein de pierres, plein de poissons. Là, il n'y a qu'un seul poisson. On voit là-bas la silhouette et la cigale qui attend. Ça restera flou, ça. Je suis en macro. Bon, là, tiens, on voit une petite ophiure qui est sur. On a perdu pas mal de bouts de bras. Les deux petits bouts de colère ont l'air de. Je sais pas, on verra bien. Ça pousse, on dirait. Voilà, 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 voilà. Bon, l'éclairage n'est pas top encore, mais bon. Ça suffit bien. Ah, ben il y a le poisson. La pierre artificielle que j'avais fait, qui a trempé des mois. Oui. Et le petit poisson. Petit pléni. Il y en avait un qui est là. Et quelques algues que j'ai mis incrustées dessous. C'est une pierre assez rigolote. À deux niveaux. J'en avais fait une. J'avais fait celle-ci au début. Puis après, j'ai fait des trous. Et les trous sont. Enfin bref, ces deux pierres réunies en une avec des grottes et des passages au milieu. Pas trop mal, pas très artificiel, mais voilà, la grotte est encore inexploitée. C'est pas flou tout ça. Les mésis, il me reste 4. J'ai vu qu'il y avait une mue qui se promenait tout à l'heure. C'est bien humide là-dedans. Je sais pas ce qu'elles vont faire. Je ne sais pas si on voit grand-chose.